Alors, Dani, tu accordes énormément d'importance à la ventilation. Ouais. C'est un de tes principes quand même assez fondamentaux, on dirait. Est-ce que tu peux nous expliquer, sur ce pigeonnier par exemple, comment t'es orienté, comment est dirigé le système de ventilation? J'essaie d'aérer le plus possible sans faire de courant d'air. Donc pour ça, j'ai un aspirateur d'air, un extracteur d'air qui est mis dans une buse de sang, dans un tuyau de sang, qui se divise en trois, vu que j'ai trois pigeonniers. Dans le pigeonnier qui est le plus près, je mets une buse plus petite, un tuyau de 5, parce que pour qu'elle prenne pas tout l'air au premier pigeonnier. Mm-hmm. Et je prends un tuyau de 8 plus loin. De façon à ce qu'ils prennent à peu près la même quantité d'air, qui aspirent la même quantité d'air dans chaque pigeonnier. Donc chargé de prendre l'air vicié pour l'évacuer. Voilà, prendre l'air vicié en haut, chaud, vicié en haut, et l'air frais vient de par tous les petits trous, donc par exemple par ici, par le petit trou là, l'air frais rentre par là. Comme ça, il n'y a pas de courant d'air, et j'ai un bon changement d'air, un bon renouvellement. Et le système est en route 24 heures sur 24? Non, ici pour le moment, donc ça tout est ouvert comme ça, mais à l'été quand il fait plus chaud, ça tourne un quart d'heure toutes les heures. C'est programmé donc? C'est programmé avec une minuterie et il tire un quart d'heure toutes les heures. Mm-hmm. Donc, si on comprend bien le système, c'est plus l'air, la bonne aération qui est recherchée plutôt la chaleur. Oui, bien sûr. Tu ne tiens pas compte du tout de la chaleur alors? Pas vraiment, non. C'est-à-dire qu'ici, pigeonnier où il y a quand même un mur de chaque côté, un mur derrière et devant, il n'a pas beaucoup de courant d'air, donc il fait vite chaud ici. Il n'a pas, mais je ne fais pas trop attention à la chaleur. Non. Tu n'utilises pas de plaque chauffante alors? Non, pas de plaque chauffante. Simplement, une plaque chauffante, si je leur ai donné un bain pour eux sécher dessus, mais... Mais pas de plaque chauffante au retour de concours, par exemple? Non, non. Aucune? Ben, au retour de concours, souvent le lendemain, souvent après le concours... Il y a un bain, donc... Je leur donne un bain, donc là, j'ai plaque chauffante à ce moment-là. Ouais. Ouais. D'accord. Expliquer, là, c'est le pigeonnier des jeunes orienté à l'ouest. Ouais. Et là, c'est une méthode un peu plus... C'est un peu différent, ici. C'est-à-dire que souvent, il y a le vent qui vient de la France, donc le vent est chassant, il rentre. Donc, si le vent est trop important, il part un peu et automatiquement les planches se referment toutes seules. Ouais, celui-ci, j'avais remarqué que c'était mon plus mauvais pigeonnier. Mais je l'avais remarqué que quand j'étais à l'intérieur, avant c'était un grand trou ici, et je sentais l'air passer. Là, j'ai fait des bacs et l'air doit venir par en dessous, monter et repasser à l'intérieur. Et j'ai aussi, et il ressort par ici au-dessus. Comme ça, j'ai une très bonne ventilation. Maintenant, c'est mon meilleur pigeonnier. Un petit aspirateur d'air aussi. Ici, il n'est pas branché encore, mais à l'été, s'il fait trop chaud, je le branche. C'est un petit ventilateur comme on met derrière les ordinateurs, je pense. Et j'ai directement deux buses là, et hop, ça tire. Je crois que le de la nourriture, c'est aussi très important pour toi. Bien sûr, ouais. Ça c'est primordial, la nourriture. Je mets pas la même nourriture avant d'aller au concours ou bien autour du concours. Ça, je fais fort attention aussi. Pour le concours, je regarde bien au poids aussi. Il faut qu'ils partent avec le poids idéal. C'est-à-dire que s'ils annoncent du nord-est 400 km avec un vent de nord-est, je vais vouloir les avoir ronds, peut-être un peu lourds. S'ils annoncent un vent favorable, je vais vous essayer de les avoir plus légers. Donc ça, je joue beaucoup avec la nourriture. Soit je donne du sport light si je veux qu'ils soient plus légers, de chez Turlings.
où je nourris avec les deux sortes de spores différents de chez Turlings, et je rajoute des graisses dedans si je veux les avoir plus lourds. Dany, on sait que tu faisais de la compétition cycliste, même au niveau professionnel. Est-ce que ça te sert dans ton approche pour la nourriture des pigeons ? Oui, ça me sert certainement. J'essaie de les... Je sais très bien qu'après une compétition, si on a vraiment donné à fond, on n'a pas faim déjà pour commencer, parce qu'on a le foie rempli de toxines. Donc au retour, j'essaie de leur donner quelque chose de directement, dès qu'ils rentrent, un petit peu de dessert et un petit peu du tofu de chez Turlings. Parce que là-dedans, il y a des protéines, des graisses, mais c'est très vite digéré, ça se digère facilement. Donc je ne charge pas l'organisme pour reprendre directement des protéines. Tout en rechargeant les batteries quand tout même. Tout en rechargeant les batteries, je ne demande pas à leur organisme d'avoir difficile de digérer. Ça, c'est à l'arrivée. Au soir, je renourris normalement. Quand ils sont revenus. Et puis, ce que je fais les premiers jours, c'est au maximum les épurer. Donc, maximum d'un mélange plus léger, et avec de la levure de bière, par exemple, ou du cédocol, pour nettoyer le foie et pour les avoir bien roses. Je veux d'abord les avoir bien roses, bien pures, bien, le sang bien pur, avant de les recharger en graisse, en toutes sortes de produits pour essayer de les faire avancer plus vite. Bah, c'est presque un travail scientifique que tu fais là. Non, pas scientifique, mais je réfléchis comme un athlète. Je les prépare comme un athlète en fait. Maintenant, je joue beaucoup avec les grains. Au début, Sport Light, si je veux les avoir plus lourds, je rajoute un petit peu de Super Jet par exemple. Et après, je finis avec du sport. Et quand ils veulent. Je veux les faire vraiment manger à fond. Je nourris quelquefois 3 ou 4 fois en suivant. Parce qu'ils ont l'habitude en hiver de manger qu'une cuillère à soupe. Une petite cuillère à soupe. Donc ils mangent tout. Parce que je les tiens sur la faim. Donc quand je veux les envoyer au concours, je leur donne leur cuillère à soupe avec les vitamines et les graisses. Quand ils ont tout mangé, je repars, je donne du mélange normal, du sport normal, sans rien dedans. Ils remangent encore. J'en rajoute et quand ils commencent à en laisser, je donne du dessert. Et quand ils ne veulent plus manger de dessert, c'est qu'ils ne savent vraiment plus manger. Mais donc, si on comprend bien quand même le côté aération, le côté nourriture, tu dépenses quand même énormément d'énergie pour tes pigeons, énormément de temps quand même. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup, ouais, pour les nourrir. Avant le concours, si je dois les nourrir 4 ou 5 fois, je repasse quand je commence à un pigeonnier, quand ils ont vite fini de manger, bien sûr. Quand j'arrive au bout, je recommence au début avec, ça c'est sûr. Mais on n'a rien sans travail. Hein. Non. Est-ce que ta carrière de cycliste te sert à quelque chose dans... Bon, oui, pour l'approche de la nourriture, mais il faut quand même avoir un sacré caractère pour s'imposer de tels efforts. Je pense que c'est ça qui fait la force de quelqu'un qui était sportif d'un assez haut niveau, c'est qu'il faut se surpasser tout le temps. Et bon, c'est pas moi, c'est pour les pigeons, mais si je ne passe pas ce temps-là, j'aurai pas les résultats que j'ai maintenant non plus. C'est la volonté d'être premier. Et puis voilà, moi je suis premier, le jour où je suis pas premier, je dors pas. Ah bon? Malgré que ça m'arrive, je dis qu'est-ce qu'il y a eu, pourquoi, si... Maintenant, je félicite celui qui me bat, c'est pas ça, je suis sportif, mais je me tracasse, je m'en veux à moi-même. Je n'en veux jamais au lâcher, j'en veux pas aux organisateurs ou à n'importe quoi, je cherche pas d'excuses. Donc j'essaie tu te remets en question continuellement. En question tout le temps. Voilà. Pourquoi j'ai été battu et voilà, et j'essaie d'en faire plus la fois d'après. Mais comme toi maintenant, tu as connu maintenant les sacres nationaux, le sacre national à plusieurs reprises. Est-ce que... Quand tu participes à un concours, il y a une approche différente de ce concours, de ses arrivées. Est-ce que tu n'y vas pas chaque fois en te disant « ça y est, je peux encore une fois ici réaliser quelque chose ». Est-ce qu'on voit ça différemment après avoir connu quand même tant de lauriers après une si petite carrière ? Ta carrière en pigeon est relativement courte quand même. Oui, c'est court, mais c'est-à-dire que la première fois on fait premier national, voilà, ça va, on l'a fait une fois. On dit « c'est une fois, maintenant il faut confirmer ». Donc il faut le faire une deuxième fois. Mais ils sont rares quand même ceux qui confirment par un nouveau premier national. C'est rare, mais bon, c'était mon but, c'était ça. Et puis voilà, premier, j'ai fait premier national avec Pigeonneau. On m'a dit, c'est un joueur de jeunes. Moi je dis, il faut faire avec un junior ou un vieux maintenant. Et l'année passée, j'ai joué peut-être un peu moins fort à jeunes.
Pourquoi? Parce que je me suis mis à 200% dans les vieux et les juniors, parce que je voulais faire partir cette étiquette-là, dire que c'était un joueur à pigeonneau. Et j'ai fait premier à junior. Donc maintenant, cette année-ci, je ne sais pas. Pour rappel, tu joues au pigeon depuis combien de temps? Une quinzaine d'années. Quinzaine d'années, oui. Denis, on a parlé du volet nourriture, donc ce qu'il y a dans la mangeoire. Et dans l'abreuvoir, qu'est-ce qui se trouve? Dans l'abreuvoir, c'est toujours de l'eau. Tout le temps de l'eau. Il n'y a qu'au retour qu'ils ont des électrolytes dans l'eau. Sinon, l'eau du robinet? L'eau du robinet, oui. J'ai déjà pensé à faire un puits pour avoir l'eau sans javel dedans. Mm-hmm. Mais c'est en projet, j'y pense en tout cas. Mais je ne mets jamais rien comme vitamine ni comme médicament dans l'eau. Tout sur la nourriture? Tout sur la nourriture. Parce que premièrement, quand on le met dans l'eau, avant de nourrir, je change tout le temps la boisson. Je change, j'ai deux jeux d'abreuvoir, je mets toujours un abreuvoir propre, sec. Tu nourris deux fois par jour? Deux fois par jour. Donc tu changes l'eau deux fois par jour? Deux fois par jour. Mm-hmm. Donc si on met quelque chose dans l'eau, automatiquement je dois le jeter. Mm-hmm. On jette les trois quarts. Tandis que quand je mets sur la nourriture, je donne à manger, cinq minutes après ils ont tout mangé. Je suis sûr qu'ils ont eu tous leur dose et qu'il n'y a rien qui a fermenté et il n'y a rien qui a gaspillé. Ils ont eu toujours soit les vitamines ou soit les minéraux. Ils ont toujours eu... Mais, Dani, obliger les pigeons à manger, il n'y a pas certaines fois où c'est difficile? Tu dois utiliser certains subterfuges ou... Oui, si je veux les faire manger juste avant l'allogement, quelquefois on alloge le soir, au matin je leur donne... Pas grand chose, une demi-ration pour être sûr qu'ils ont faim. Et à 5 heures avant d'en loger, là je renourris à fond. Comme ça je suis sûr qu'ils ont mangé un maximum. Même chose le matin, quand j'ai nourri, je repasse et je vide tous leurs bacs. Ils sont nourris, les vieux et les juniors sont nourris dans leur casier. Je vide tous les bacs. Parce que s'il reste quelques graines, donc après le repas du matin, s'il reste quelques graines, pendant la journée ils vont les remanger. Et ça va couper leur faim et au soir ils ne mangeront plus. Donc, automatiquement, je vide le bac. Il est dormi en dessous du lit de maman. Elle venait dormir ici avec son fusil pour s'il y avait peur qu'on vienne voler les pigeons. Durant ton départ en vacances? Pendant que j'étais en vacances, ouais. Maintenant j'ai mis l'alarme partout, donc c'est mieux. Mais il vient quand même, quand je suis en vacances, il vient encore dormir ici quand même. Hein. Les vacances, c'est primordial alors? Ouais, je laisse ça à ma femme une semaine par an. Tu lui accordes une semaine par an? Moi, je lui accorde plus que ça, mais au moins une semaine par an. Et alors, à chaque fois que je fais Premier National, on va à Venise. Et j'avais promis d'aller à Venise si je faisais Premier National. Donc tu es déjà allé deux fois à Venise? Une fois, et non, je lui dois encore une fois. Je lui dois encore une fois à Venise. Ouais, et on dit jamais 203. Ouais, alors on ira peut-être plus loin.